Bonjour les enfants. Alors bienvenue dans l'île aux couleurs et aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo. C'est Tintin le dauphin. Alors pour Tintin le dauphin, c'est simple, on va prendre un petit moyen pinceau comme ça. Vous le mouillez, vous l'essorez, vous allez y prendre de la couleur. Pas comme d'habitude, on va prendre qu'une couleur sur l'ensemble de notre pinceau. Que l'on peut d'ailleurs mélanger, hein. Et là je vais faire l'eau de la mer ou de l'océan, c'est vous qui choisirez, avec une note de vert. Et je prends du bleu et du vert. Et là c'est parti pour faire un petit fond de mer. D'un côté et de l'autre, on va servir de notre pinceau. On ne va pas trop mettre de l'eau, hop là, comme ça, hop là. On peut remouiller, resécher, reprendre un petit peu de bleu pour venir finaliser nos petites vagues. Voilà, ça y est, on est bien. À côté de la mer, on va prendre le grand pinceau et on va venir faire une petite plage déserte avec plein d'herbes dessus. On va y rajouter un petit palmier, je prends un moyen pinceau, je le mouille, j'en ai deux, donc j'en ai pris le deuxième. J'y prends deux et trois couleurs. On va faire le petit palmier ici, hop, 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 comme ceci. La pointe du pinceau, 1, 2, 3, on balaye, 1, 2, 3, on met de la couleur. On va y rajouter un petit arc-en-ciel avec le grand pinceau. Cette fois-ci, on y prend des couleurs de l'autre côté. Et là, on peut y aller comme on veut, on met de l'arc-en-ciel comme ça. Et maintenant, on va faire Tintin, Tintin le dauphin. Alors Tintin le dauphin, il y a un petit coup de main à prendre. Je vous le montre d'abord et je vous donne la petite astuce après. D'un côté et de l'autre. Vous allez partir d'ici, monter, descendre pour faire le bec, une rotation et vous allez fermer la queue comme ça. Un œil et un aileron. Le secret, il est de là à là. En fait, il va falloir que vous appreniez, et je vais vous montrer les tampons là, aller de là à là, en arrondissant bien votre trait, en le tournant comme ça. Moi, je l'ai répété une quarantaine de fois avant d'y arriver. N'hésitez pas à répéter les mouvements, ce sera un gage de réussite. Alors, on va faire un deuxième dauphin. Hop, et j'inverse même les couleurs. Et voilà les enfants. Je vous souhaite un beau dessin.